Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous emmène directement sur le terrain, en plein cœur de l'action. En effet, vous avez jamais vu un véhicule qui fume comme si c'est du sanglier grillé qu'ils font à l'intérieur ou bien du poulet boucané qui fume un peu partout. On suit ce genre de véhicule à la trace qui modifie l'apparence de l'environnement. Eh bien, je vous emmène directement. Ainsi, vous allez pouvoir savoir et voir c'est dû à quoi ce genre de problème. En effet, j'ai été appelé en urgence pour voir un véhicule. Voilà pourquoi je ne suis pas en tenue. Donc, regardez bien en accélérant. Regardez. Donc, comme je vous dis, ça va pas fumer beaucoup, si. Oh putain. Ben, comme je vous dis, on se retrouve à l'atelier. Détail en atelier. À tout à l'heure. Et voilà, c'est la magie de la télé, comme dit Denis Brugnard. Donc, alors, vous avez vu toute cette fumée blanche? C'est à cause de qui? À cause de quoi? Bien sûr, à cause de notre turbo, toujours notre turbo. Que s'est-il passé exactement? Nous allons le découvrir ensemble. Prenons notre turbo. Notre turbo positionné ainsi sur le moteur. Dans ce cas, nous avons donc face à vous, voilà, nous avons la perche qui puise de l'huile directement dans le réservoir, qui veut dire le cater d'huile, et qui l'amène ici par centrifuge et puis qui redescend. Ça a pour effet de refroidir aussi le turbo, les turbines, et aussi de le lubrifier. Vous savez, c'est ici, toujours de l'huile, toujours en permanence, même si le moteur ne fonctionne pas, on a appui. Il apporte de l'huile, mais il le remet aussi. On a le retour d'huile ici par le bas. L'huile, retour, là où il est sorti. Donc, l'huile fait un circuit fermé. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de l'huile propre. Hein. Circuit fermé, ça rentre, ça sort, ça revient. Mais nous avons appris que notre turbo, si vous en prenez pas soin, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne lui donnez pas ce qu'il vous demande, eh bien, il vous fiche la honte aussi. Eh bien oui, et quand il vous fiche la honte, c'est la honte, mais vous ne pouvez pas rouler. Vous avez vu, par exemple. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche avec vous carrément. Notre turbo, puisqu'il est fâché, qu'est-ce qu'il dit? Il dit bon, oui, je prends l'huile. Je le mets là, oui. Mais par contre, je ne te le remets pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il balance par la sortie d'échappement. Donc, au lieu de le remettre, de sortir par le retour, qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait sortir par les turbines, qui veut dire là que ça a déjà trop de jeu. Donc il y a trop d'espace, ça ne doit pas avoir de jeu, ça doit avoir un jeu à peine perceptible. Il balance l'huile ici. Donc puis vous accélérez, et puis l'hélice tourne, et puis vous avez de l'huile qui passe, donc plus de fumée. Donc l'huile, cette partie-là est à haute température, ça c'est du fonte, hein, n'oubliez pas. De l'huile posée sur un support à haute température, ça fait de la fumée. C'est pour ça que ça fume. Alors votre échappement est rempli d'huile. Et le pire, c'est quand vous décidez de faire les réparations, de remplacer le turbo, eh bien c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que il reste de l'huile dans l'échappement. Eh bien ceci va toujours continuer à fumer pendant un laps de temps, parce qu'il faut un temps pour brûler l'huile. Ça fait beaucoup de fumée, mais ça se brûle pas rapidement. Donc il faut rouler le véhicule, même après l'avoir changé, il faut rouler, même si ça fait de la fumée. Moi, ça m'était arrivé. Donc je roulais le soir, la nuit. Donc et puis bon ben c'est ça s'en va, disons une semaine. Enfin, il faut bien rouler en tout cas. Il faut bien rouler. Donc puisqu'il balance par l'échappement, attention, vous avez le carter qui se vide. Et là, ça coince le moteur. Vous avez un moteur serré. Et là, si le moteur est serré, bon ben, poubelle quoi, à la casse. Donc, toujours faire attention. C'est pour ça que c'est mieux quand vous avez un début de turbo. Ben, vaut mieux remplacer en amont, très très rapidement, parce que après, c'est plus difficile. Comme vous le savez, mes amis, si vous avez appris quelque chose,
Vous savez comment me remercier? Me payer même? Et avec un petit pouce levé, oui, non, mais oui, tout simplement. Bien sûr, c'est votre moyen de paiement. Et à partir de là, je vous dis, chers amis, au prochain numéro et à bientôt.